peinture, c'est dur. Cuisine, c'est plus facile. Phénix sentit dans l'air un frisson, qui était bien plus que froid. Oh pardon, c'est ma nouvelle eau de toilette, ça vient de Boré, vent du nord. Je le connais, c'est un cousin. Ah, et il ne t'en a pas donné. Vent du nord. L'air se déplace étrangement. Je me demande si je pourrais m'en servir pour me déplacer. Je dirais que je peux modifier le sens du vent. Mère, non! Je peux changer. Je serai le fils dont tu rêves.
qu'est-ce que... De même que tu avais rassemblé les malheurs du monde pour en faire cadeau à l'humanité, Phénix enferma les tourments d'Héphaïstos dans la boîte de Pandore. Toutes ces souffrances, toutes ces inspirations torturées. Qu'est-ce que tu veux? Le petit est un artiste. De cette flamme émergea la malveillance infligée à Héphaïstos. Oublie ta quête. Marche sans fardeau. Thank you.
Que Typhon nous emporte. Défait les cruautés que nous avons commises. Je vivrai dans la flamme, et elle ne me consumera pas. Arès ! Comment as-tu pu ? J'avais confiance en toi.
Stéropès, Brontès, vous aviez ma confiance. La zizanie, la plus sombre émotion d'Héphaïstos, fut de nouveau enfermée dans la boîte de Pandore. La zizanie, sa femme ne l'aime pas et il a été condamné à des années d'exil. Mais bon, ça pourrait être pire. Ma femme à moi, c'est Hera. Yeah!
Je serai toujours le dieu boiteux. Le désespoir émergea de la flamme illuminée, et Phénix le replaça rapidement dans la boîte de Pandore. Toutes les forges sont allumées. L'air devrait être assez puissant pour me soulever. Regardez Phaistos. Quand on est comme lui, on se contente de ce qu'on a. C'est lui qui a pris Hera en otage pour exiger la main d'Aphrodite. Mais je savais qu'elle ne le toucherait jamais. Du coup, elle serait en sûreté et indisponible. L'idéal. C'est lui qui a cherché le désespoir.
Il l'a eu. Son fardeau était lourd, comme l'inquiétude de Phénix. En retrouvant ses sombres souvenirs et en les rapportant à Héphaïstos, le condamnait-elle à souffrir? La question la hanta tout au long de sa quête. Je t'en prie, Aphrodite. Parle-moi. On peut pas en discuter. Il fait froid d'un seul coup. Je me sens presque triste. La vengeance bouillonnait, à l'instar de la rage qui l'accompagnait. Tu vois, à chaque méfait que tu lui as imposé,
Héphaïstos a laissé brûler sa rage et l'a métamorphosé en bienfait, ses nombreuses créations. La vie promettait d'être difficile pour le petit. J'essayais un peu de l'endurcir. Ne me rendez pas compte du mal que je lui faisais. Malveillance, zizanie, désespoir et vengeance fusionnèrent pour reconstituer l'essence jadis prisonnière. Tu es là. À mon retour, je me suis demandé s'il s'était passé quelque chose. Il se passe toujours quelque chose. Quelque chose de grave. Comment es-tu arrivé ici? Je l'ai peut-être un peu aidé. Tu as fabriqué mes sandales et mon casque ailé. Je t'ai sauvé et amené ici. Alors je crois que nous sommes quittes. Il pense qu'on se connaît. Chut. Jouons le jeu. Oui, tes sandales. Je suis heureux qu'elles te plaisent, tes sandales. Ah, oh, j'aurais essayé. Tu as trouvé son essence? Tu es sûr que tu te sens prêt? Rien ne m'est jamais arrivé de mal. Pourquoi cela commencerait-il aujourd'hui? Père des inventions, prête-moi ton épée, ta lance, ta flèche. Transforme les ténèbres et éclaire notre voie. Heureux de te revoir, mon vieil ami. Ça va, le grand ? Je me souviens de tout. Laisse faire le temps. Mais il y a une chose qui me turlupine. Sans souvenir, comment as-tu laissé des indices menant à la crypte de Typhon ? Pas celle de Typhon. La mienne. J'ai si longtemps souffert. J'étais si fatigué. Avant la venue de Typhon, j'ai souvent utilisé la boîte de Pandore pour piéger mes tourments intérieurs dans cette crypte. J'avais un système. J'ai créé les indices pour retrouver mon chemin. J'étais vulnérable lorsque Typhon m'a trouvé. Je l'ai laissé me transformer en l'un de mes automates. Ça m'a plu d'ailleurs. Parce que les automates ne ressentent rien du tout. Mais, et tes indices? Tu aurais dû pouvoir retrouver ton essence. Stéropès et Brontès, mes assistants, ils m'ont trahi. Ils ont pris le premier indice. Celui qui m'amenait à allumer les feux de la forge. Et ils l'ont brûlé. Non, il n'y a rien de plus cruel que l'ironie. Et par conséquent, ils ont fait de ma réclusion une prison permanente. Je connais ces noms. Ce sont des cyclopes légendaires. Si je les trouve, je leur ferai payer ce qu'ils ont fait. Bien. Ils ont volé l'armure que je forgeais. Désormais, elle est à toi. Et à propos de paiement, je te dois au moins ceci. Tu en auras besoin pour ce que nous avons à faire ensuite. Nous allons voler quelque chose. Oh oui! Pour protéger l'espoir de la maladresse et du chagrin des mortels, Zeus a caché sa forme fragile près de ma forge. Là, derrière une porte fermée, l'espoir attend. Nous devons le libérer. S'il est question d'un vol, ça m'intéresse. J'ai caché la clé dans un sanctuaire du nord-est de la contrée de la Forge. Laisse-moi deviner. Sous le paillasson. C'est le meilleur endroit pour cacher quelque chose. Mais même si je parviens à voler la clé et à trouver la salle secrète près de la Forge, comment va-t-on libérer l'espoir? Ensemble. Cette boîte est prête à remplir son office. Puisse la lueur d'un millier de forges t'éclairer de ses feux. Nous devrions préparer un plan afin d'affronter Typhon. Dis-nous quand tu auras fini de l'attaquer depuis les ténèbres.